Bonjour, et bien finalement vous aurez une vidéo entre Noël et Nouvel An. Oh, j'ai mis mon café, j'arrive. Non mais dis donc, mon petit café, j'ai envie d'un café, j'ai envie d'un truc chaud pendant que je vous parle dans les mains donc. Rebonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un magnifique Noël. Je sais pas si j'ai envie de vous dire avoir été gâtée parce que ça veut plus vraiment rien dire aujourd'hui, on est bien d'accord, mais que vous avez été gâtée par l'amour de vos proches, c'est le plus important. Et si vous n'avez pas fêté Noël, et bien écoutez, que vous avez passé un très bon week-end. Voilà. Moi je ne sais pas si parce qu'en fait là à l'heure où je tourne, nous sommes le jeudi 21, 22, 21, enfin juste avant quoi. Je crois que c'est 21. Donc voilà. Donc, mais j'avais déjà des choses à vous dire. Mon petit bloc-notes se remplissait et je me suis dit, ouais, ben, en fait, je vais faire une petite vidéo que je leur posterai juste après Noël, donc le mercredi 2, 3, 22, 23, enfin un truc comme ça quoi. Puisque après au mois de janvier, non, je pense vraiment pas que vous l'aurez. Donc voilà. Ça commence bien, n'est-ce pas? On va parler tricot et je vais vous parler d'un truc aussi que j'aime bien faire. Ce sont mes ongles. Des fois, vous voyez dans mes vidéos, à l'arrache, le vernis est pété, mes ongles sont pourris. Mais comment dire, j'en fais pas un complexe. Hein, on m'en fout, je veux dire, ça fait partie de la vie. On n'est pas toujours au top et tout ça, tout ça. Ils sont pas sales, ils sont juste abîmés. C'est le principal, je crois. Et là, en fait, je me suis fait un petit semi-permanent. Alors, j'adore me faire des semi-permanents. Et le rose est un petit peu pailleté, nacré. Et j'ai fait un baby, je sais pas quoi, là. Mais bon, j'ai bien sûr réussi mieux la main gauche, puisque je suis droitière, que la main droite. Mais je suis assez fière de moi. Et il faut savoir que sur moi, le semi-permanent ne tient pas. Des fois, il tient 3 jours. Donc, j'ai un peu les boules de me faire un truc... que je fasse en institut ou à la maison, c'est ça le problème, c'est que pour ça, alors avant j'allais en institut, mais ça tient pas, donc voilà. Là c'est ma dernière tentative de semi-permanent à la maison, après je passerai au gel. Mais du coup, voir combien il tient celui-là, il a l'air d'être assez solide, donc je vous en reparlerai parce qu'il est vraiment pas cher. S'il va bien, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Je sais que les tricoteuses aiment bien avoir des jolies mains, donc voilà. Voilà. Petite parenthèse de vernis. Bah, après tout, c'est de l'art. Hein. Moi, je trouve que c'est de l'art, de nail art hein, d'ailleurs. Et je trouve ça vachement intéressant et sympa à faire. Voilà. Du coup, je vous ai filmé la dernière vidéo il y a quelques jours. Donc, j'ai pas beaucoup avancé dans mes projets. Je vous ai montré, j'ai mis les chaussettes. Ça y est. J'ai reçu mes bloqueurs. Enfin, j'ai cherché. Non, mais je manque à tous mes devoirs. J'ai reçu mes bloqueurs à chaussettes. Ils sont en bois, ils sont beaux, mais je pense qu'il y en a un, il va falloir que je mette un scotch, s'il ne tient pas, il est trop fin, il ne tiendra pas. Mais il y en a 3 paires, sur les 3 paires, il y a 2 paires correctes. Donc ça va, je vais pas, c'est pas les bloqueurs du siècle, hein. Mais ça va. Voilà, donc j'ai fini les chaussons de mon fils, je vous montre. Puis là, pour moi, alors... Ça y est, Noël est fini pour moi dans ma tête. Le bonnet de mon mari, je vais le commencer, mais je terminerai pas avant Noël. Donc, il le saura. Je préfère qu'il le sache d'ailleurs, comme ça, voilà. Donc, les chaussettes, la première et la deuxième. Voilà, elles sont en décalé hein, sur les... Je les bloque pas, elles sont en acrylique, ça sert à rien. Elles sont en décalé sur les couleurs, mais elles sont sympas. Voilà, là, il y a un petit décalage. Comment ça se fait? Comment là... Ah, voilà, ça fait... Il y a un petit décalage ici parce que celle-ci est trop... Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Écoutez. Je pense qu'il va être content. Elles sont chaudes en tout cas. Donc ça, c'est cool. Elles font rikiki parce qu'elles sont énormes en fait. Mais il fait bien du... Lui aussi, il a des gros panards. Sa famille grand pied. Il y a quoi qu'il y a des pieds de hobbit. Bref. Voilà. Donc lui, il aura sa paire de chaussettes et bien sûr... ses cadeaux qu'il a choisi lui aussi. On a arrêté d'essayer de vouloir faire des surprises hein, parce que voilà, il y a un cadeau que je voulais lui offrir, mais ça me gonfle, j'ai pas envie de le commander sur euh,
sur Amazon et ça me gonfle parce qu'on a plus. Avant, il y avait un Carrefour où il y avait un Toys R Us, tout ça. Et du coup, ben, oh, c'est quoi ça? Du coup, on pouvait aller acheter des jeux de société, choses comme ça, mais maintenant, il n'y a plus Toys R Us. Il faut aller encore plus loin pour aller à Cultura. C'est un peu pénible tout ça. Le jeu de société que je veux n'est pas dans les supermarchés là que autour de chez moi. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est un jeu avec des aimants. Ils appellent ça le. Comment ça s'appelle? Enfin bref, on s'en fout. Je raconte ma vie. Voilà, et je voulais lui offrir parce que je trouve que c'est sympa. Bon, je vous dis quand même le nom. Ça s'appelle le. Oh là là, l'échec aimant échec comme jeu d'échecs, mais avec des aimants. Enfin bref. Ouais, je trouvais rigolo, assez ludique. Moi, j'aime bien les jeux qui vont vite, tout ça. Bref. Voilà, c'est pas grave. Mes projets en cours, je vous avais parlé. Ah, je mange mes cheveux. Je vous avais parlé du petit bonnet, là. Bon, alors attendez. Bon, j'ai commencé. Mais c'est pas ma priorité, puisque je sais que pour l'instant, pour moi, c'est pas. Je vais le finir très vite. Je vous montre. Le petit rose a commencé. Mais rose et gris, c'est vraiment très joli. Donc, voilà. Ça va être les deux petits bonnets. Et alors, j'ai un projet châle. Je ne sais pas encore. J'ai un projet châle. Donc, je vais mélanger de la royale. Bref, une royale de chez Zeman, là, un peu mouchetée avec des speckles. Donc, qui fait des rayures et tout ça. Une autoreillante royale. Avec la pingouin mohair. Et là où j'achète mon mohair, c'est à côté de chez moi, c'est Bazarland. C'est le magasin qu'il y a dans le Gard, je crois. Ils font de la laine pingouin. Et ils sont distributeurs Grundle et pingouin. Et ma laine pingouin, enfin, c'est pas vraiment du. Il y a un tout petit peu de mohair hein, dans ce. C'est l'acrylique aussi. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que comme je vous ai expliqué, moi j'aime bien l'acrylique. Parce que ça sèche vite. Je suis dans une région où il fait humide et c'est très compliqué de sécher la laine. Et j'ai pas envie de la sécher dans la maison parce que ça apporte de l'humidité dans la maison et on en a déjà assez. Voilà. Donc l'acrylique c'est bien pour moi dans ce sens-là. Et du coup, un mohair comme ça en plus, voilà. Je m'éparpille. Non, je vais mélanger ce fil mohair à la royale là. Non, c'est pas la royale, c'est de là. Oh, j'ai la flemme, faut que j'aille chercher. Je vous la montrerai en même temps que j'irai chercher mes bloqueurs. Voilà, donc, et j'avais plus que cette demi-pelote, il me reste pas beaucoup dessus. Donc j'ai détricoté un petit top que je mets pas, vert. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en vert, je le mets pas, je peux trouver personne à qui l'offrir. Que j'avais fait l'année dernière, j'ai commencé là, hop, le détricotage à deux fils. Et du coup, hop, là voilà. Donc je me suis fait, là je pense j'ai bien 50 grammes de mohair. J'ai mes 100 grammes de mohair pour faire mon châle, donc je suis assez contente. Ouais. Je recycle. Vraiment moi, ça me dérange. Alors j'aime pas détricoter dans le. Mais bon, finalement, j'aime pas ça, détricoter. Mais c'est quand même chouette de pouvoir détricoter ces trucs et de recycler. Enfin, ça sert à rien de garder un truc que. Je ne sais pas à qui l'offrir. Personne dans mon entourage. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce truc de cette couleur. Voilà. J'ai personne dans mon entourage qui aimerait cette couleur. Enfin, je sais pas. Je suis un peu des fois, on a un peu des. Je sais pas. Voilà. C'est pas grave. Du coup, je vais retricoter en mohair et voilà. Et j'ai trouvé à peu près. Alors, pour le bonnet, j'ai trouvé du grundle. C'est du fil recyclé avec des bouteilles en plastique. Je trouve ça sympa. Donc je vais essayer de le tricoter avec les restes de mon fils, des chaussons de mon fils, et je pense que ça ira. Ça sera peut-être pas marron, mais ça fera noir et. Ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Faut que je teste. Et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc là, je vais aller chercher. Ah oui, je vais chercher les trucs que je vous ai dit. Voilà, j'ai tout pris. Ah, il y a un truc qui est tombé. J'ai tout pris comme ça. Ah non, j'ai pas pris la laine Grundle. Je vais la chercher. J'arrive. Oh, mais décidément. Voilà. Alors, la laine Grundle, j'ai trouvé, c'est celle-ci. C'est un. Alors, je remets mes lunettes. Hein. C'est un gris un peu bleuté. Je sais pas si. Focus. Voilà.
elle est comme ceci. C'est une. Voilà, je sais pas. Alors, est-ce que il faut que je la mélange avec trois couleurs? Il y a celle-ci et les deux. J'hésite. Alors, excuse-moi, j'ai une. Alors, celle-là, c'est là-bas. Il y a eu une bagarre. Hein. Donc voilà, il faut que je trouve un accord. Je pense que ma première idée était. Hop. Là, vous ne le voyez pas, mais il est un peu beaucoup. Il est plus brun, en fait. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça. Là, je vais le doubler, puisque c'est un fil beaucoup plus fin, donc je vais le doubler. Et voilà, je pense que. Oh je pense que ça va le faire. Il faut vraiment que je rembobine tout ça. C'est l'anarchie. Voilà, donc ça c'est pour le bonnet. Ensuite, pour mon châle, je vais le faire dans cette laine. Donc c'est nordique. Oh, ben oui, royal nordique. Voilà. Oh, très bien, parfait. Là, vous voyez bien. Oui, vous voyez bien la couleur. Donc il y a un petit rose léger, il y a du blanc et voilà le tissage que ça fait. Donc sur un châle, ça peut être super sympa. Et surtout si, ben, je vais le mélanger en fait avec un fil de mohair. Voilà, donc j'espère que voilà, ça va donner, même sur le brun en fait, ça donnera un petit côté. Alors, je sais pas si vous avez les cheveux qui se prennent dans vos tricots, mais moi je tricote mes cheveux. Voilà, je me prends pour un alpaga. Voilà, donc voilà à peu près mes projets. Cette semaine-là, donc, je travaille encore, mais la semaine à moitié, parce que j'ai des personnes chez qui je vais qui sont en vacances, en famille, tout ça. J'ai des personnes, il y a des personnes qui s'en foutent, puisque je vais pas chez elles. Bon, donc, je vais pas le jour de Noël chez elles, ça va. Mais bon, le collège est bien sûr en vacances. Donc là, c'est des semi-vacances. Et la semaine prochaine, j'ai mon mari en vacances. Donc, on reste en vacances en famille. Voilà. Donc, du coup, je me garde des projets parce que si on bouge en voiture, tout ça, je vais tricoter. Je vais tricoter, ça c'est certain, en voiture. Et voilà. Donc, ça, ce sont mes petits projets, on va dire, aiguilles à long terme, puisque. Le châle, ça prend du temps. Bon, le petit bonnet, non. Les deux bonnets, non. Mais le châle va me prendre du temps. Je commencerai quand j'aurai terminé ce pull. Alors, le pull, je vais vous montrer. Mais j'ai commencé la deuxième manche. Mais je. Qu'est-ce qui se passe avec ces manches? Elles sont. Mais j'arrive pas. Elles sont longues. Longues. Elles sont monotones, je pense. Ça y est, je commence à être dans le. J'aime tellement tricoter et que ça bouge que là, quand c'est monotone. Je m'endors. Je me suis endormie en tricotant. Non, mais. Voilà. Donc là, non, non, non. Donc le châle, j'ai pris un châle texturé. Je ne sais pas encore lequel. Mais il y en a un qui fait des fausses feuilles, des feuilles. Et il y en a un qui a des côtes et des points mousse, côtes, points mousse. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais prendre celui côtes, points mousse. Parce que feuilles, j'ai peur qu'avec le taurayant, ça fasse lourd. Voilà. Ensuite, ah, je voulais vous montrer ça. Je vous regarde là parce qu'ils sont là. Alors, désolé, ils sont encore en plastique. Non, je vais vous en montrer. Donc, j'ai les bloqueurs chaussettes. Donc, il y a celui-ci dont je me suis servi. Je l'ai testé pour mes chaussettes à moi. Voilà, il va dans ce sens-là. Voilà. Donc, on peut le rallonger. Malheureusement, il n'y a pas de voiture. Donc, c'est un peu compliqué quand on est un peu neuneux comme moi. Bon, ben, c'est pas très grave. Je prends une chaussette et voilà. Le truc, c'est que je trouve que ben, ils tiennent pas vraiment bien. On arrive à mettre la chaussette et à. Mais bon, c'est la chaussette qui tient le bloqueur. Je sais pas si c'est normal, je sais pas. Ça tient pas hyper bien. Mais avec un petit morceau de scotch à la limite, là derrière, pendant. Là, ça va. Celui-là, ça va. Il tient. Celui-là, ça va, il tient. Donc, il y a avec des petits cœurs que l'on peut suspendre. Vous pouvez le mettre à un truc. Vous avez les bloqueurs comme ceci. Bon, vous pouvez les suspendre aussi, mais vous voyez, c'est large. C'est assez large aussi, là. Mais alors, il y a ceux-là. Et alors, ceux-là, je. Non. Il faut que je mette un scotch ici. Alors, ils sont bien parce qu'ils sont aérés.
et c'est vachement bien pour ma région, on va dire. Mais là, il est tellement fin, le truc. Désolée pour le bruit, je me mets loin. Hop. Il est tellement fin qu'il tient pas super bien. Mais par contre, il est vraiment fin, celui-là. Mais je crois que je vais mettre un scotch et je vais utiliser celui-là pour les chaussettes. Parce que, bon, c'est bien, on peut le suspendre. Après, voilà, on met un scotch. Je pense que... Je vais mettre 1,42. C'est quoi? C'est grand, ça, comme pied, non? 42, ça, au moins. Ça doit être ça, 36, 38, 40, 42, même. Peut-être. Voilà. Et voilà. Je vais mettre un petit scotch. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas les renvoyer. Ça fait du trafic pour pas grand chose en fait. Et puis il y a des systèmes des. Voilà. Mais je trouve ça bien parce que je pourrais les suspendre dehors. Il fait bon là. Je vais pouvoir les suspendre dehors. En plus, il y a un peu de vent, ils vont sécher. Ça va être super bien. Voilà, voilà. Je vous incrusterai les images quand je les aurai suspendues à ça. Mais du coup, en entrée, vous aurez les images du bain. Et là, je vous mettrai les images de suspendu. Je vais vous montrer aussi comment j'essore les chaussettes. En fait, vous trempez, hein, ben, vous trempez dans le bain et vous essorez pas trop, en froissant un peu, mais pas trop. Et puis ensuite, vous les enroulez dans une serviette pour absorber le maximum d'humidité, voire deux serviettes. Et puis ensuite, vous suspendez ça et voilà. Par contre, je voulais vous dire de toi à moi. Merci pour la bobine de chez Lang qui était. Je me suis sentie stupide. La bobine de chez Lang qui était dans la pelote. Vous savez à quoi sert la bobine? À renforcer le talon. Eh ben oui, merci beaucoup. Si tu passes par là, vraiment. Je me suis sentie idiote. Mais oui, c'est tellement logique de doubler en fait le talon. Et même, je pense aussi pour doubler le bout du pied si vous craquez au bout du pied. Je me suis sentie bête. Et en fait, quand tu m'as écrit, je me permets de te tutoyer, hein, mais quand tu m'as écrit, je me suis dit, mais évidemment, j'étais... foutu des baffes, évidemment. Et moi, oh, c'est gentil le petit fil pour la couture. Mais la couture de quoi? N'importe quoi. Merci en tout cas d'interagir avec moi. Et comme je vous ai dit, ça fait que 2 ans que j'ai repris le tricot. Mais alors, la première année d'une manière très cool, très zen. Là, je me suis un peu plus investie là-dedans. Mais c'est vrai que, le problème du tricot, c'est que c'est hyper addictif. Mais le tricot me fait un bien fou. Alors, autant le crochet me donne mal aux épaules, autant le tricot, mais il me détend. Me rend, mais d'une zénitude. C'est incroyable. C'est un peu comme l'aquarelle. Mais là, avec mes yeux et tout, j'ai vraiment du mal. En ce moment, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si... Donc, je repasserai pas la semaine prochaine. Donc là, je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an si vous le faites. Moi, je le fais pas. Je crois pas. Je pense que je vais être avec mon copain. Et mon fils va le faire avec ses copains. Donc, je vais faire partie de ses parents qui serrent les dents toute la soirée. Oh là là. C'est dur d'être parent. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai un jour. Non, mais voilà, je vais faire... donc, on va le faire. Je sais pas, peut-être on se fera un petit truc. J'aime bien faire un petit truc dehors. En général, aller faire une petite balade. Même le soir, c'est sympa. Ça
C'est un peu plus compliqué à le bouger lui, donc on verra. On verra. Je vais essayer de, ouais, de faire un truc, je sais pas. Sinon, on va se faire une petite soirée en amoureux. Voilà. On n'a rien vraiment de prévu. Je vous mettrai les images. Ah oui, si je peux. Je vous mettrai les images de la fête que je vous disais. Un peu. C'est devenu une petite tradition dans ma ville et je trouve que c'est une tradition sympa de Noël. Donc je les mettrai à la fin de cette vidéo. Donc je vous mettrai entre les chaussettes et tout ça, je vous mettrai les images à la fin de cette vidéo, comme ça je ferai le montage après. Ouais, voilà. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vous garantis rien, je vous promets rien, mais je vais essayer de mettre ces images si je suis là, enfin si on y arrive, si tout se passe bien, de vous mettre ces images là de des chevaux et de la nuit du 24 au soir, enfin avec cette petite parade finalement de Noël. Et voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, donc du nouvel an pour le coup là, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que je serai active là-bas, je pense. Je serai davantage active là-bas, je vous partagerai. J'essaierai vraiment les stories, parce que là, j'ai pris le pli de faire au moins une story par jour durant ce calendrier de l'Avent. D'ailleurs, oui, ce calendrier de l'Avent. Bah écoutez, maintenant que vous avez la première chaussette, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous vous régalerez à faire la seconde. N'hésitez pas à me donner votre retour sur les chaussettes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de vues que de likes et de commentaires, donc je ne sais pas. Et des vues qui sont là tous les jours. Donc, je suis un peu frustrée. Voilà, je vous avoue, je suis un peu frustrée. Je ne sais pas si ça vous a vraiment plu, si vous les avez essayées, si vous laissez, vous gardez le truc pour les essayer pendant les vacances et enchaîner les vidéos. Voilà. Donc, dites-moi. Vraiment, vos retours me font plaisir. Vraiment. Et voilà. Et moi, je les trouve très belles, hein, ces chaussettes. Je suis peut-être pas objective, mais je les trouve vraiment chouettes. Je les porte tous les jours pratiquement. Je les lave, je les lave, je les mets, je les lave, je les mets. Je ne porte là cet hiver quasiment que mes chaussettes tricotées. Donc j'en ai 4 paires. J'ai un peu du mal hein. Entre deux. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire, je mets vraiment. Pratiquement que mes chaussettes. Je suis malheureuse le jour où j'ai pas les miennes. Voilà. Et je me rends compte que je suis vraiment heureuse de mettre mes chaussettes. Donc voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est que je vous souhaite encore une fois, de nouvelles fois, cette fois c'est la bonne, un très bon réveillon. Préparez-le bien puisqu'il vous reste du temps là pour le préparer. J'espère vraiment que cet interlude de fin d'année, de début de nouvelle année vous est profitable, vous comble et que vous êtes dans un bon mood, voilà. Que vous êtes entouré des gens que vous aimez, que je vous souhaite vraiment de la paix, de la sérénité. Voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de ça cette année plus que d'habitude en plus. Ce climat est merdique là. Cette ambiance pesante et lourde. J'ai l'impression que tous les ans, on a un peu plus, un peu plus, un peu plus de merde. Désolée du mot, mais qui nous accable là. Il y en a ras-le-bol. Enfin, j'en suis moi une époque de ma vie où j'ai besoin, enfin, j'ai envie de sérénité. Les grands combats, les machins, les trucs. Ça y est, j'ai compris que ça m'appartenait pas, que. Je peux pas non plus sauver le monde, hein, comme je vous disais l'autre fois, mais quitter la pièce avec dignité. Donc, à mon échelle, j'essaie d'être le plus honnête avec moi-même et le plus serviable possible, de faire des choses bien parce que voilà, j'ai envie de les faire aussi. Mais merde quoi. Vous nous gonflez là. Si toi, le dirigeant de chez la grand-mère, merde quoi. Donne-nous un peu de paix, un peu d'amour et un peu de trêve. Arrête ton égo trip là, fous-nous la paix. Fous-nous la paix. Nous, êtres humains, du petit peuple, nous avons envie de paix. Voilà. On n'en a rien à péter que
vous arriviez à conquérir le monde là. Oh là là, mais arrêtez, foutez-nous la paix. Voilà, c'est mon cri du cœur pour la fin de cette année. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Profitez bien, amusez-vous, riez, ça fait du bien. À l'année prochaine. Ciao. Ciao.